C'est une relation décidément passionnelle. Ce matin, on revient sur les récentes conversations entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président israélien Yitzhak Herzog. On apprenait ainsi hier matin que le chef de l'État israélien allait se rendre en visite officielle à Ankara, en Turquie. Les relations donc entre les deux pays semblent se réchauffer de plus en plus sérieusement, on le voit. Et c'est l'occasion ce matin, eh bien, avec vous Laurence, de revenir sur cette situation et plus globalement sur les liens dans l'histoire entre Israël et la Turquie. Effectivement, le président turc semble curieusement très pressé d'améliorer ses liens qu'il a lui-même rendus chaotiques ces dernières années. Erdogan est même allé plus loin puisqu'il a annoncé que cette visite d'Yitzhak Herzog en Turquie allait ouvrir une nouvelle page dans les relations bilatérales. Pour rappel, les deux hommes se sont parlé déjà par téléphone à deux reprises, en juillet dernier lors de la prise de fonction du président israélien et en novembre, peu après la libération du couple d'Israéliens qui avait été injustement emprisonné pendant une semaine en Turquie. Alors, ces conversations sont-elles le signal d'une nouvelle lune de miel pour Ankara et Jérusalem, s'interroge la presse israélienne. Aussi, on n'en a pas parlé, mais lors d'une conversation téléphonique, Erdogan avait exprimé ses condoléances à Yitzhak Herzog pour la mort de sa mère. Enfin, malgré tout, les liens politiques sont au point mort depuis des années, ou du moins la situation est extrêmement froide. Il s'agit donc là pour Israël d'examiner si la Turquie d'Erdogan a changé son fusil d'épaule sur l'État hébreu et sur les juifs dans leur ensemble. Par exemple, Erdogan a-t-il surmonté ses allusions fréquentes à l'antisémitisme ? Il faut rappeler qu'il y a très peu de temps, c'était en mai 2021, le président turc qui s'est érigé en défenseur des Arabes de Gaza avait critiqué Jérusalem pour ses frappes dans la bande de Gaza, dénonçant dans une violente tirade des meurtriers qui, je cite, tuent des enfants âgés de 5 ou 6 ans avant d'ajouter « il n'y a que sucer le sang qui les assouvit ». Fin de citation. Et oui, il parlait d'Israël, des propos d'ailleurs immédiatement condamnés par Washington qui les avait jugés antisémites et qui avait appelé Erdogan à éviter des remarques incendiaires qui pourraient inciter à encore plus de violence. Mais en fait, il y avait déjà eu un précédent. Souvenez-vous, en 2014, Erdogan s'était lancé dans une violente diatribe contre l'État terroriste d'Israël, avait-il dit, accusé de commettre, selon lui, un génocide à chaque ramadan depuis 1948 contre la population arabe. Effectivement, il avait ajouté à cela, je cite, « Ils n'ont pas de conscience, pas d'honneur, pas de fierté, ils condamnent Hitler jour et nuit, mais le surpassent en barbarie ». Fin de citation. Honteusement, le chef de l'État turc avait accusé Israël de surpasser Hitler en matière de barbarie, provoquant un tollé mondial. Et puis par ailleurs, plus largement dans la presse turque, les propos antisémites fleurissent également. « Que Dieu bénisse Hitler », c'est ce qu'avait lancé la même année, en 2014, un éditorialiste d'un quotidien pro-Erdogan. Et parmi les plus virulentes critiques figure aussi la Fondation pour l'aide humanitaire, la fameuse IHH, l'organisation proche du Hamas qui avait affrété le navire Mavi Marmara pour briser le blocus de Gaza en 2010. Une opération qui s'était soldée par la mort de 10 activistes turcs. Oui, le président de l'organisation avait alors menacé les juifs de Turquie de représailles et appelé les touristes juifs à ne pas venir en vacances dans le pays. Le torchon avait de nouveau brûlé un an plus tard, en 2015, avec ses déclarations cinglantes d'Erdogan. Tout comme le massacre qui a été commis à Paris par des terroristes est un crime contre l'humanité, Netanyahou a commis des crimes contre l'humanité. Fin de citation. Et il réitère ses propos en 2019, quand il comparera à nouveau la politique d'Israël à celle des nazis à l'Assemblée générale des Nations unies. Précisons qu'Erdogan a une très mauvaise relation avec Benjamin Netanyahou et a même insulté l'ancien Premier ministre de terroriste, c'était en 2018. Et puis on se souvient aussi de l'humiliation subi par l'ambassadeur israélien Etan Nahé, qui avait été soumis à des contrôles de sécurité très stricts à l'aéroport turc lors de son départ du pays. C'était véritablement à cette époque la guerre des mots, la guerre des gestes, bien que jugée, c'est vrai, bien moins brutale du côté israélien. Mais l'État juif, qui avait toutefois répliqué par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, qui avait alors traité Erdogan de « petit caïd de quartier antisémite ». Aujourd'hui, ce temps de tension semble donc révolu, en tout cas pour l'instant. Si depuis les deux pays n'ont pas officiellement d'ambassadeurs respectifs et que les relations très amicales avec la Turquie sont au point mort, les liens commerciaux se poursuivent et sont même florissants. Depuis deux ans, les deux pays essayent par des canaux secrets de rétablir les relations diplomatiques.
comme autrefois. Car oui, Laurence, si on se resitue dans l'histoire, il faut se souvenir que la Turquie, malgré tout, fut le premier État à majorité musulmane qui a reconnu l'État juif en 1949. Absolument, Ilana. 10 ans plus tard, le premier ministre de l'époque, Ben Gurion, et Golda Meir signèrent avec leur homologue turc, Adnan Menderes, un accord de coopération contre le radicalisme au Moyen-Orient et contre l'influence soviétique. Au point qu'Aldoa, le journal des frères musulmans en Égypte, appela la Turquie un second Israël qui mérite d'être détruit. En tout cas, la coopération entre Ankara et Jérusalem va se prolonger jusqu'au début des années 1960, puis s'intensifier encore avec les accords d'Oslo. D'ailleurs, c'est dès 1991 que les deux États procèdent à la nomination d'ambassadeurs dans leur capitale. Mais c'est le grand basculement. En 2007, les relations entre les deux pays se dégradent alors, et cela s'explique par plusieurs facteurs. Oui, le premier est l'idéologie islamiste et anti-israélienne de l'AKP, le parti de la justice et du développement que représente Erdogan, dont plusieurs membres sont considérés comme antisémites, liés aux frères musulmans et au Hamas. Et puis le second, c'est la réussite économique de la Turquie et la volonté des dirigeants turcs de devenir une puissance importante du Moyen-Orient. Et oui, et un peu trop présente dans la région au goût des Israéliens. Alors on connaît la suite des événements, on vient d'en parler, l'assaut du navire Mavi Marmara en 2010, entre autres, toutes les déclarations choquantes d'Erdogan sur les différentes opérations israéliennes dans la bande de Gaza, qui ont eu raison de cette amitié politique. Il faudra attendre finalement le début de l'année 2016 pour que le principe et les détails d'une reprise des liens diplomatiques entre Israël et la Turquie soient conclus. Avec l'arrivée de l'ambassadeur israélien Etan Nahé, dont on parlait à l'instant, les deux pays envisagent aussi une vaste coopération dans le domaine gazier, avec notamment la construction d'un pipeline israélien passant par la Turquie, destiné à acheminer le produit des gisements gaziers de Léviathan vers l'Europe. C'est vrai, le triangle Israël-Grèce-Chypre est très bénéfique pour le forage gazier dans les eaux souveraines d'Israël. Israël est aujourd'hui l'un des pays non-européens avec qui la Turquie a quand même le plus intensifié ses échanges commerciaux depuis les années 80. Selon les chiffres du Centre de commerce international, les échanges bilatéraux ont atteint 6,2 milliards de dollars en 2018 avant de retomber à 5,5 milliards en 2019. Mais cela fait tout de même de la Turquie le sixième partenaire commercial d'Israël. Et aujourd'hui, tout récemment, lors d'une rencontre avec des rabbins, Erdogan a déclaré que les relations avec l'État juif étaient vitales pour la Turquie. Il faut dire que la coopération entre les deux nations est extrêmement vaste et recouvre de nombreux domaines comme l'économie, la technologie militaire, le tourisme ou encore la culture. Et reste à savoir donc si l'antisémitisme d'Erdogan le rattrapera ou si c'est l'esprit de politique et d'opportunisme qui l'emportera. En tout cas, les relations entre Israël et la Turquie restent complexes. On aura l'occasion d'en reparler sur Radio J. Merci Laurence Kahn, vous restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à